Au mois de juin 2016, Cyril Blanchard bat le record du monde de l'enduroman en 59 heures et 56 minutes. L'enduroman est l'un des triathlons les plus difficiles au monde, 140 km en courant entre Marble Arch à Londres et le port de Douvres en Angleterre, 40 km à la nage pour traverser la Manche, puis 300 km à vélo entre Calais et l'Arc de Triomphe à Paris. Une performance extraordinaire réalisée par un homme ordinaire, un père de famille de 42 ans, sportif amateur et chef d'entreprise. Pour réaliser cet exploit, Cyril a pu compter sur le soutien de sa première supportrice, sa femme Laurence, et il s'est entouré d'un staff de professionnels. Un an de préparation a été nécessaire. Alors, l'idée d'Enduroman, elle date d'il y a 2 ans en fait. Il y a 2 ans, j'ai découvert l'épreuve un petit peu par hasard sur Internet. Mais à l'époque, c'était juste une idée comme ça qui m'a effleuré l'esprit. Et il y a 1 an, là pour le coup, un email arrive et la vie fait que c'était le bon moment. Et donc avec Laurence, on en a parlé et je me suis lancé dans l'aventure. Alors quand Cyril il m'a annoncé qu'il allait justement se préparer pour une grande course, l'Enduroman, ma première réaction, déjà je ne connaissais pas spécialement on va dire cette course-là, j'ai pas eu d'inquiétude et puis au contraire je l'ai plutôt motivé à le pousser à le faire en fait. Alors donc j'ai démarré il y a 1 an la préparation d'Enduroman et on va dire que sur une année j'avais en moyenne 20 heures d'entraînement, donc 20 heures d'entraînement par semaine. Je crois avoir fait pas loin de 2 ou 3 000 km en course à pied. Sur une année, je ne sais pas exactement le nombre de heures à vélo et j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures aussi à nager, que ce soit en piscine ou en lac. Si tu prends comme ça, tu vas lutter. Ou après, si tu veux aller un peu plus vite, tu casses ton vent. Ouais. Pour que le courant, il te... Surtout pas comme ça. Non, surtout pas. Alors, et la première, elle est là, ouais. La deuxième, elle est derrière. Ouais. Et toi, quand tu regardes les bouées, t'as l'impression qu'on dérive pas. Et quand tu regardes l'autre côté, c'est terrible. Oh. Regarde la bouée, elle est là-bas. T'as vu, regarde. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est impressionnant. Là, il va pratiquement à la vitesse du courant. Donc là, on a 3,5 nœuds. On va comme ça et le courant, il est à peu près pareil dans le sens-là. Donc là, il faut résumer. Donc nous arrivons avec toute l'équipe à Londres avec notre camping-car. Donc il y a un super esprit d'équipe, il y a un réel enthousiasme, il y a beaucoup de complicité au sein du staff et ça c'est ma grande fierté. Voilà, ça y est, on est prêt. Mais en même temps, quand on arrive à 23h au départ à Marble Arch, d'un seul coup, on y est. Je suis dans ma bulle, je pars à 9 km/h et ça va être le rythme que je vais m'astreindre pendant toute la durée du parcours course à pied. Sur la fin, en revanche, sur la fin de la course à pied, il commençait à faire chaud. Il commençait à avoir un parcours un peu plus compliqué avec des côtes qui étaient quand même beaucoup plus pentues. Donc là, ça commençait un petit peu à être dur. Puis il y avait la lassitude aussi pour les derniers kilomètres de se dire, voilà, il ne reste plus que 10 km. Là, j'avoue que je suis sorti un petit peu de ma bulle, de ma zone de confort et j'ai été moins bon physiquement, j'ai été moins bon mentalement aussi parce que là, on arrive à la fin de la course à pied, il y a un soulagement, mais il y a surtout l'angoisse et l'appréhension de traverser la Manche derrière. Dernière ligne de droite pour Cyril à Douvres. Il est arrivé 140 km en courant depuis Marble Arch à Londres et il est là. Avec... Bravo mon amour. Hey, trop bien. Excellent. Together. Et 22h20 à peu près, c'est un peu la veille avant la grande bataille. Il pleut, il y a des éclairs. Tout le monde est quand même un peu inquiet. Donc Cyril doit partir d'ici à peu près une quarantaine de minutes. On attend le bateau de l'organisation pour finir de charger le bateau de l'organisation. Et Cyril part après. Donc pour une douzaine d'heures de nage au moins. Alors quand Cyril a commencé à nager dans la Manche, alors là, je me suis vraiment inquiétée. Parce que de toute façon, c'était à ce moment-là que je savais que j'allais commencer un petit peu à avoir peur. Alors on a eu des orages,
On a eu des éclairs. Je ne voyais plus du tout Cyril. On me dit il est là avec une petite lumière, mais je ne le voyais plus du tout. Et j'ai eu le mal de mer aussi, forcément. Donc voilà, je me suis allongée. Et puis, j'avais notre copain Olivier qui était à côté, qui me disait écoute, je le vois, tout va bien. Voilà. Mais c'est vrai que je garderai cette image où là, j'étais vraiment inquiète. L'image moins forte que j'ai de cette traversée de la Manche et cet enduroman, c'était Patrick qui m'a tendu chaque quart d'heure mon alimentation, coûte que coûte, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Et ça m'a vraiment mis dans un rythme que j'aurais pas eu, parce que en fait, quand on est au bout de 5 heures, 6 heures, 7 heures d'effort, on n'a plus du tout la notion du temps. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on est un peu paumé. Et moi, j'avais qu'un seul repère, c'était Patrick. Il était là, fidèle au rendez-vous. Donc, chapeau Patrick. Côté juste là, à portée de doigt, et Cyril est là. Go, 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 go. Régulier. Voilà sur le dos. Voilà. Il va aller la chercher, il va aller la toucher cette terre promise. C'est au bout de 14 heures d'effort. Je suis dans un vrai doute, je me rends pas compte que j'ai nagé pendant 14 heures parce que j'ai eu aucune notion du temps tout au long de la traversée. Et en fait, c'est sur la fin, il y a ma femme, Laurence, qui est là et qui me dit « Vas-y, accroche-toi, t'es presque fini, t'arrives. » De l'autre côté, sur l'autre bateau, il y a Patrick et Nassim qui sont en train de m'encourager avec la musique de Muse, leur haut-parleur. Donc j'ai vraiment tous mes sens qui sont d'un seul coup réveillés, alors que moi, je suis complètement épuisé. Donc j'entends des belles choses, j'ai des beaux regards, et puis il y a une chose ultime qui arrive, c'est que je vois les côtes françaises et je vois en haut tous les supporters qui sont là en train de crier. Et en fait, c'est le symbole en fait de toute l'épreuve enduromane. Il y a tellement de monde qui m'a aidé, qui m'a encouragé, qui m'a appuyé, qui m'a accompagné, que à ce moment-là, comme tout au long de la traversée de la Manche d'ailleurs, c'est ça qui me fait réussir. C'est le fait qu'il y ait tout un tas de personnes qui comptaient sur moi, qui croyaient en moi. Et rien que pour ça, je me suis accroché et donc je suis arrivé au bout de cette traversée de la Manche. Allez Cyril, ça y est, c'est bon. C'est passé comme il fallait, rien. Comment ça? Il y a une tempête de 2 heures. J'ai loupé le cap grillé. J'ai lutté contre tous les courants. Là. Et ça y est, j'y suis arrivé. Sacré exploit quand même là. Ah, j'en reviens pas. Heureux quand même. Ah, je suis super heureux. Je suis déçu, je suis heureux, je suis soulagé. J'ai envie de crier ma joie, mais voilà, je suis là. Juste, quel était le premier sentiment justement quand t'as enfin mis les pieds là sur le sol sec? La seule première chose que j'ai faite en touchant le sol là, c'est de laisser monter mes émotions et de pleurer quoi. J'ai mes larmes qui ont rempli mes lunettes et voilà, un immense bonheur et je me rends compte que j'ai fini en enduromane. Donc partir sur 300 km de vélo, je dis pas que j'ai une appréhension parce que c'est la fin et 300 km de vélo c'est juste une formalité. Par contre, c'est la fatigue qui était un petit peu mon ennemi. Partir de nuit pour arriver le lendemain à peu près à midi, ma crainte c'était de m'endormir. Et finalement,
J'étais vraiment dans un état de grâce. Ça se résume en trois mots. Plaisir, calme, confiance. Et puis moi, je m'en suis trouvé un quatrième dès le début. Ça a été vigilance. C'est cette boucle, ça me mettait dans l'instant présent. J'étais ancré, j'étais là. J'étais à la fois sur mon guidon, mais en même temps, je me regardais pédaler. Donc il y avait un double phénomène. T'es dans l'effort, t'es là, tu maîtrises. Mais t'es en même temps le propre spectateur de ton effort. Et voilà, c'est ce que moi j'appelle l'état de grâce. Et je l'ai vécu. Allez Cyril, la plus dure du parcours, juste après Poix de Picardie. Quand Cyril est arrivé, on va dire, à l'Arc de Triomphe, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de choses. Hein. Forcément, on en pleure. C'était très fort en émotion. Quoi. Donc, il est très fier de lui. Après 60 heures d'effort, en fait, la première chose, c'est mon subconscient qui doit prendre le relais. Je ne sais pas ce qui se passe. Instinctivement, je prends mon vélo, je le lève, parce que c'est sans doute l'image que j'avais imaginée, rêvée pendant un an. Et donc, instinctivement, c'est la première chose que je fais. Voilà, c'est je lève mon vélo parce que ça y est, c'est gagné. Quoi. Et la deuxième, après, là, c'est où est mon staff, quoi. Où est mon équipe, enfin l'équipe, parce que... On a vécu quand même 60 heures ensemble avec Laurence, ma chérie, avec Patrick, mon meilleur pote, avec Luc, avec Nassim, avec Jean. Enfin, on a été une super équipe du début jusqu'à la fin. Nous ont rejoint mon père, nous ont rejoint Giovanni, Laurent, Denis. Bon, j'en passe des meilleurs. Donc voilà, ce que je veux à l'arrivée, c'est être au milieu de toute mon équipe et leur dire merci parce que c'est grâce à eux que je l'ai fait et puis surtout, on l'a fait. Salut à tous, c'est le dernier tuto, devinez où on est. On est à Marble Arch, je suis avec Edgar, l'organisateur de la course. Et voilà, c'est parti, il est presque minuit, donc c'est parti pour une vingtaine d'heures de course à pied, tranquille. Et puis donc rendez-vous à Douvres. Donc pour ce dernier tuto, je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont préparé physiquement, mentalement, à tout niveau pour être là aujourd'hui et ma petite chérie, voilà je dédie cette course pour ma petite femme qui est à côté de moi, merci d'être là. Grand merci à tous, à très bientôt, rendez-vous en France, c'était le dernier tuto d'Enduroman. Et c'est quoi le cri de guerre? Feeling good! I'm feeling good.